Mesdames et messieurs, bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue sur Union Bonne après nos témoignages puissants. Ce témoignage puissant est la suite du témoignage puissant sur la musique et les démons de la musique. Vous savez, ce témoignage puissant, nous avons découvert combien de fois le diable et ses démons veulent entrer chez les gens juste au travers de la musique. À la fin de cette vidéo apparaîtra soit ici ou là-bas, ok? Vous pouvez encore regarder ce témoignage puissant pour savoir ce qui s'est passé. Dans cette vidéo, comme promis, nous allons découvrir ce témoignage de cet homme, de ce pasteur, qui va tout simplement nous expliquer ce qu'il a vu dans le monde des sorciers. Le monde des sorciers, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça existe? Comment est-ce que ça se présente? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Nous allons découvrir toutes ces choses. Pourquoi? C'est parce que pour bien combattre son ennemi, il faut le découvrir. Si vous ne savez pas qui est le diable, vous ne saurez pas qui il est, comment ça se présente. Regardez par exemple à l'écran. Alors quand on voit une femme, elle est très belle, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Mais spirituellement parlant, c'est une autre créature qu'elle a. Et effectivement, c'est elle qu'elle a. Avec des ailes noires, des oreilles qui sont bien étirées. On a l'impression qu'elle n'est pas de ce monde. Regardez même ses mains. Ses mains ne sont pas comme les nôtres. Mais dans la vie réelle, vous allez la voir comme une fille ordinaire, une personne ordinaire, avec toutes ces caractéristiques-là. Et vous risquez de tomber dans son piège de séduction. Mes frères et sœurs, ces choses sont réelles. C'est pourquoi nous voulons savoir réellement qu'est-ce qui se passe concrètement dans le monde du Satan quand même, pour voir comment nos ennemis se préparent pour nous affronter. Parce que si vous ne savez pas, tout chrétien, toute personne même de ce monde, que tu sois chrétien ou pas, tu es en guerre contre Satan, le diable. Et ici, cet homme va nous expliquer comment le diable se prépare même à affronter les gens, les chrétiens du monde entier. C'est un témoignage comme tous les autres. Nous avons quand même besoin que Dieu lui-même nous donne son esprit de discernement, pour qu'on puisse savoir ensemble qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Parce que nous sommes là juste pour découvrir ce témoignage ensemble. Alors, joignez-vous à nous dans cette prière. Nous allons demander à Dieu de nous aider de cette dimension. Disons tous ensemble les yeux fermés. Disons tous Seigneur Jésus-Christ. S'il te plaît, assiste-nous tout au long de ce témoignage puissant. Que ta main puissante soit avec nous. Que toi-même tu nous gardes, que tu nous protèges. Que toi-même tu nous élèves, tu nous fasses grandir spirituellement. Que ta volonté soit toujours ce qui se manifeste en nous et dans notre vie. Merci Seigneur de nous faire découvrir ce que nous devons découvrir afin de pouvoir bien avancer dans notre vie. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Ne n'est pas fait. Pardonne-nous nos péchés. Pardonne-moi personnellement mes péchés. Et pardonne les péchés de tous les abonnés. Tous les abonnés qui ont péché contre toi. Toi-même, tu sais, Seigneur, pardonne-nous aujourd'hui. Pardonne-nous tous les jours de notre vie. Et que ton sang précieux nous purifie. Et que ton nom nous sanctifie. Que ton nom nous sanctifie. Et que ta parole soit une force pour nous. Et la lumière de notre vie. Que toi-même tu nous éclaires, libère-nous de nos problèmes, charge tous nos ennemis qui sont à côté, qui sont même autour de nous, en train de nous attaquer, même maintenant. Que toi-même tu te charges des esprits qui les animent, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Tout piège que le diable placera sur nos chemins encore, que toi-même tu sois là pour nous faire déjouer de ses plans et de ses pièges. Que la voix du Saint-Esprit se manifeste en nous, en long et en large, qu'on entende plus la voix du Saint-Esprit que la voix du diable ou ses démons. Que toi-même tu nous accompagnes, que toi-même tu règnes dans notre vie et que toi-même tu prennes le contrôle total, je dirais même intégral de notre vie. Accorde-nous, s'il te plaît, la délivrance totale et durable. On veut réussir. La vie sur la terre, ce n'est pas facile. Mais nous voulons réussir quand même. Que ta main puissante nous guide. Donne-nous ton intelligence.
Donne-nous ta sagesse. Donne-nous tout ce qu'il nous faut pour être des personnes selon Dieu, des personnes selon ta volonté. Que toi-même, Seigneur, tu nous éclaires tous les jours et tu nous permets de découvrir ce que nous devons découvrir même de ce témoin puissant. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Seigneur, ce bon, tous les abonnés aiment beaucoup les témoignages puissants et nous sommes tous heureux de retrouver des témoins puissants ici. Vous devez savoir que nous avons également trois autres chaînes. En cliquant sur Nyan Scribble, vous aurez accès à la page d'accueil où vous verrez ces trois chaînes. Il s'agit du Nyan TV et du Nyan Scribble 2 et du Nyan Scribble 3. Si vous n'êtes pas abonné sur ces trois autres chaînes, veuillez vous abonner et ne manquez pas de cliquer sur la cloche pour l'activer et ne pas manquer les notifications sur les nouvelles vidéos qui seront disponibles très bientôt. Mes frères et sœurs, c'est grave, l'heure est grave. Même dans les églises, il y a des sorciers. Même des pasteurs sont des sorciers. Mais avant d'arriver jusqu'à ce niveau, je pense qu'il est bien que cet homme nous explique en détail comment est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qu'il a vu. Et nous allons réagir. Et vous-même, vous pouvez réagir dans la partie commentaire. Mes frères et sœurs, ça va être chaud. C'est parti. Tout commence par une visitation d'un ange du nom de Michaël. Tout commence par une visitation d'un ange du nom de Michaël. Ça veut dire qu'il dit, il a dit de nous dire que c'est un ange de Dieu qui est juste venu le visiter. Sérieux? Bon, écoutons-le bien pour savoir ce qui s'est passé concrètement. Everything begins with a divine visitation by an angel called Michael. Je reçois une grâce. I receive a grace. Je suis comme vous. I'm like you. Je ne suis pas spécial. I'm not special. Quand je choisis, when God choose, il me choisit au nom de sa grâce. He choose in the name of his grace. La grâce est the grace it undeserved. Mais Dieu donne comme ça. But God he gives as he gives. Alors on m'a transporté. And they took me. Nous étions à l'église. We were in church. C'était en l'an 2007. It was in 2007. Alors là où j'étais, je suis tombé. Where was I fall? Mais je ne savais pas que j'étais tombé. But I didn't know that I fall. L'ange m'a transporté. The angel took me. Nous sommes entrés dans une salle de réunion. We went in the meeting room. La réunion, je vous assure, a pris 4 mois. Let me tell you that the meeting took like 4 months. Alléluia. Amen. Un amen de foi. Amen. Amen with faith. Un amen de santé. Amen. A healthy amen. A healthy amen. Amen. Yes. On dit un amen comme les anglophones. Et c'est la amen. English. Et nous nous sommes retrouvés dans une salle de réunion et Satan ne savait pas que j'étais là. We found ourselves in the room meeting. Donc cet ange l'a transporté dans un endroit où il pouvait voir Satan en réunion avec ses gars. Ça veut dire que ce qui va se passer par la suite, ce sera le résultat de ce qui s'est passé lors de ces réunions. Écoutons bien. Pendant les 4 mois de réunion, during these 4 months of meeting, un soir, an evening, la réunion commençait à 17h. The meeting was starting at 5 p.m. Satan donne l'ordre. A certain give order. Il savait pas que j'étais. He didn't knew that I was there. Bon, la réunion terminait entre 19h, 20h et 21h. The meeting was ending around 7, 8, 9. Et là, l'ange me ramenait sur la terre. And now the angel brought me on the earth. Et je me retrouvais tombé. And I found myself falling. Je me relevais. I relieved myself. Et on priait ensemble avec l'église. And we prayed with the church. Alors ce soir-là. And that evening. Une soirée spéciale. A special evening. Satan donne l'ordre. The devil gives an order. Il dit que tous mes sorciers se lèvent. And he says, all my witches stand. Et dans le monde de Satan, in the darkness kingdom, les sorciers se laissent appeler sorciers. The witch, they always, ils acceptent qu'on les appelle sorciers. They accept it, they may call them witches. Alors les hommes, les femmes se sont levés. Men, women, les gars, les races. They stood up all races. Ils se sont levés. And they stood up. Alors, comment on va parler de sorciers? As they told me about witches. Fais un feu. They say, make a vow. Si quelqu'un entre, if somebody enter, ne les regarde pas. Don't look at you. Rien que ça, c'est simple.
It's simple. Don't look people are coming in. Amen. Hein? Amen. Amen. Alors, and les sorciers se sont levés. Witches stood up. Et quand les sorciers se sont levés, after they stood up, j'ai vu quelques personnes que je reconnaissais. I saw people that I recognized. Il y avait une petite fille qui me parlait pour moi. There's a little girl that used to speak to me. Je me suis marié en 2008. I got married in 2008. Et en 2007, il y avait une petite fille qui me parlait pour moi. In 2007, somebody, a little girl that je l'ai vue dans la salle de réunion. I saw her in that room of meeting of the devil. Je vais vous expliquer les choses que nous mangeons. I'm going to explain things that we're eating. Qu'est-ce que les sorciers en font? What the witches are doing with that food? Je vais vous parler. I'm going to speak to you about supermarkets. Je vais vous parler des boîtes de conserve. I'm going to speak to you about the console room. J'ai reconnu une petite fille qui m'a parlé. I recognize a little girl that used to cook for me. J'ai reconnu sur mon avenue. I recognize in my street. Un sorcier du nom de Christian. A witch by the name of Christian. J'ai reconnu certains pasteurs. I recognize some pastors. Quand ils viennent dans les aéroports, when they come to airports, on les accueille avec honneur. They are welcoming them with honor. Et Satan leur donne la parole. And the devil give them the word. Il leur donne des lois. He give them laws. Il dit à partir d'aujourd'hui. He says from now on. Je vous envoie dans les églises. I'm sending you in the churches. Wow. Pour une mission. For a mission. De 15 ans. Of 15 years. Quand un sorcier entre dans une église, when the witch enter a church, c'est pour 15 ans. It's for 15 years. Quand il finit, my God, when it end, on la voit dans une autre église. They will send you to another church. Pour 15 ans. For 15 years. Etc. 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 Et après il dit, and after he said, quand vous irez dans les églises, yeah, là les sorciers étaient debout. That the witch were standing, and the devil said, when you go in the churches, là dans les églises. There in the churches, la première chose, the first thing, soyez du nombre de leurs prédicateurs. Soyez du nombre de leurs prédicateurs. Soyez du nombre de leurs prédicateurs. Ça veut sans doute dire que le diable veut effectivement qu'il y ait beaucoup de pasteurs sorciers, beaucoup de prophètes sorciers. Imaginez la suite. Ça veut dire que le diable a donné le pouvoir de prophétiser. Ça veut dire que le diable aussi va leur donner le pouvoir de bien connaître la parole de Dieu afin de bien connaître l'Église. Et c'est là que nous devons tous être vigilants. Écoutez vraiment très bien ça. The name of their preachers. As, et, apprenez leur parole. Teach them the way. Et entrez dans les universités. And enter university. Comme théologie. Like theologian. Apprenez la connaissance de la Bible. Learn the knowledge of the Bible. Et après, and after, dans les églises, suivez-moi bien. Listen to me carefully. In the churches, le moment de la prédication, the time of preaching, commence à faire les spectacles. Start to do spectacles. C'est ce que Satan disait. Spectacle. And that the devil said to me. Quand il disait la, ce qu'il disait à la réunion. What you were saying in the meeting. Moi, j'étais inaperçu à l'ange. They would not see me. Alors il dit, and he said, faites trop de spectacles, make more spectacles, qu'il y ait trop de prophéties, more prophecies. Et je vais vous dire aujourd'hui, and I will tell you today, vous qui dites toujours au pasteur, man of God, prophesy, prophesy. You always say, man of God, prophesy, sakola. You will hear tonight. On va comprendre ça aujourd'hui. You will understand tonight. À partir d'aujourd'hui, c'est vous qui m'avez suivi sur les médias. You who are following me in the media. Calculez le temps du culte. You must calculate the time of the service. Le prédicateur prêche pendant combien de temps? The preacher preaching for how many? Il prend le temps de la prophétie pendant combien de temps? He taking how many minutes for prophecy? On dit au commencement était la parole. And the Bible said the beginning was the word. Au commencement n'était pas la prophétie. And the beginning was not prophecy. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. The word was God and the word was with God. Quand on prêche la parole, when we preach the word, on prêche Dieu. We preach God. Et attention, and be careful. Si l'objet de ta prédication, okay, the amount of your preaching, ne me montre pas comment connaître Dieu. Does it show me how to know God? Mais ta prédication me montre le matériel. But your prediction or your preaching just show me material. It just show me the material things. Automatiquement, tu es Aaron qui présente aux enfants de Dieu le veau d'or. Automatically, you become Aaron that is bringing people idols. L'idolâtrie est entrée dans
Laisse-moi te dire. Let me tell you. Si on prêche Jésus, if they preach Jesus, la Bible dit, the Bible says, Christ en nous, Christ in us, l'espérance de la gloire, the hope of glory. Comme Jésus est déjà en moi, as Jesus is in me, la gloire est inévitable. Oh, 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 oh. On doit vivre la gloire. I have to live the glory. Parce que on m'a présenté le Créateur. Because they present me the Creator. J'ai tout avec lui. And I have everything in him. Alléluia. Alors il dit, and he said, vous allez tout faire. You have to do everything. Comme vous allez connaître leurs paroles. And you're gonna know their way. Distrayez-les avec les accessoires. You have to disturb them with all these useless things. Parce que dans leur loi, because in their law, ça c'est Satan qui dit. This is the devil saying. Dans leur loi, in their law, on me traite comme le prince des ténèbres. They always treat me as a prince of darkness. Il dit, n'est-ce pas? You don't know that. Et tout le monde a dit oui. And everyone say yes, we know that. Oui, grand maître. Yes, great maître, master. Alors, and il dit, he said, dans leur propre loi encore, in their own law, on dit, they say, ta parole est une lampe à mes pieds. Your word is the lamp on my feet. Comme ils considèrent la parole comme la lampe, as they consider the word as a lamp, qu'on ne prêche plus la parole, they will not preach the word. C'est qu'il n'y aura pas de lampe. Amen. Which means there will not be light. Comme il n'y aura pas de lampe, as long as there's not going to be light, il y aura les ténèbres. There will be darkness. Comme il y aura les ténèbres, now there will be darkness. Moi je suis le prince des ténèbres. And me, I'm the prince of darkness. Automatiquement nous allons leur faire un coup de vent. Automatiquement we're going to take over. C'est ça la pensée de Satan. This is the devil too. Faire un coup d'état à l'église. He said that let take over the church. Et il dit, and he said, nous allons les affaiblir. We're going to make them weak. Faisons tout. Let's try our best. Et dans chaque famille, that each and every family, au moins un sorcier de manque. As long as at least the man. Ah, vous avez entendu ça? Il dit, faites en sorte que dans chaque famille, aucun sorcier ne manque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diable va s'arranger pour que déjà à l'école, les enfants puissent avoir la sorcellerie. Et que dans chaque famille, il y ait un représentant du diable. Quelqu'un qui a la sorcellerie, qui va transmettre les informations à Satan Lucifer. Ainsi, toutes les familles seront contrôlées, seront sous son contrôle. Voici comment le diable veut contrôler les humains. Il veut contrôler notre progéniture. Mes frères et sœurs, nous devons être contre ça. Et nous mettre à prier pour nos enfants. Ça veut dire que le diable s'intéresse vraiment à la jeunesse. Mais not let even one which, s'il n'est pas dans la maison, if he's not in the house, il est en dehors de la maison, he is out of the house, allez préparer pour eux. Go and prepare for them. Si vous êtes un homme, if you are a man, blessez-vous. Be blessed. Blessez-vous. Oh, you have to cut yourself. Yes. Alors, faites sortir votre sang. And you have to take the blood from your own body. Et mettez dans la nourriture. And put in the food. Et si vous êtes femme, if you are a woman, prenez votre sang du mois. Take your menstrual blood. Mettez dans la nourriture. Put in the food. Alors, quand ils vont manger, when they gonna eat, automatiquement votre sang, le sang de sorcier, automatiquement va se résorber dans leur veine. We're going to absorb in their veins. Et ils deviendront automatiquement sous l'influence des sorciers parce que la sorcellerie va circuler déjà. Automatically they will be under influence of witchcraft because automatically the witchcraft will circulate in the blood. Dans des supermarchés, dans des restaurants, in supermarkets, restaurants, dans des boîtes de conserve, mettez le sang. In the thing that you buy from the shop, put blood. Il dit dans la foule, vous savez qu'il existe les liens d'affiliation. You know that there's a link from families. Yes, le lien de famille, yes, c'est dans le sang. He said that family bond. C'est lui qui va manger le sang du sorcier. Automatiquement, tu deviens son parent secondaire. Tous les sorciers, the witch blood automatically under that blood lens. Et tu seras ton, vous serez leur parent secondaire. And you be their secondary parents. Vous allez commencer à maudire. You going to start to curse. Tout celui qui va manger votre nourriture. Whoever gonna start to eat your food. Et qu'est-ce que vous allez faire? And what you gonna do? Alourdissez-le. You have to make them heavy. Si vous mangez une nourriture où les sorciers mélangent son sang,
votre vie de prière est alourdie, la lecture de la Bible est alourdie, même, il dit, même le temps d'aller à l'église, qu'il soit alourdi. If you eat the food that was which by which shed the blood of which is in, you become heavy to read the word, heavy to pray, heavy to go to church. My God. Et quand la réunion est finie, when the meeting ends, j'étais soucieux. I was so worried. Alors l'ange Gabriel, Michael m'est apparu encore à l'église. And the angel Michael appeared to me. Je vais t'amener quelque part. As he said to me, I will take tu verras les représentants des sorciers de ton église. You see the representatives of the church you construit. The witch that represents your church. Tu vas le voir. You see. Quand il sera en train de monter, when you gonna go up, cours et saisis-le par la cheville. And run and catch him. Et tu verras la suite. And you see what will follow. Il me transporte. And he took me. Nous sommes allés dans un terrain de football. We went in the soccer field. Et là, and then, il m'a posé à côté d'un avocatier. And he took me in the avocat tree, saw me hide myself. Et il me dit, and he told me, cache-toi, hide yourself. Le représentant des sorciers de ton église viendra ici. The representative of your church, which will come here. Fais ce que je t'ai dit. Do whatever I tell you to do. Il a disparu. And he disappeared. 3 minutes après, 3 minutes after, je vois quelqu'un venir. And I see somebody coming. Quand il s'approche comme José de la dimanche passée, as I told you last night when he approached, je vois mon adjoint pasteur. I see my own assistant pastor. Moi j'étais le titulaire. Me, I was the senior pastor. Lui était mon adjoint. He was an assistant. Je découvre que mon adjoint était sorcier. And I discovered that my assistant was a witch. Alors je me suis dit, and I said to myself, je commence à comprendre. I start to understand. Cet homme avait un esprit de distraction. This man used to have a distraction spirit. Il nous distrayait comme je vous avais dit. He used to distract us as a... Bien, il vient de découvrir que son adjoint pasteur est un sorcier. Et c'est en ce moment-là que il va se mettre à faire quoi? À réfléchir sur son comportement à l'église. Les sorciers peuvent se cacher, mais il y a des comportements qui ne trompent jamais. Et lui, il a détecté que son agent pasteur avait beaucoup un esprit de distraction. Et il faisait beaucoup de choses incompréhensibles à l'église. La plupart du temps, les gens disaient que oh, peut-être que c'est encore sous l'inspiration de Dieu qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on va découvrir qu'effectivement, il y a des signes qui ne trompent jamais chez les sorciers. Et les signes de la sorcellerie, je pense que nous ferons une vidéo spéciale pour ça. Alors, abonnez-vous, activez la cloche, ne pas manquer cette vidéo-là. C'est la Sunday. Alors que c'était un sorcier. That's why he was a witch. Il fait le main comme ça. And he do his hand like this. Et il commence à monter. And he start to go up. Il monte. He start to go. Je me suis rappelé ce que l'ange m'avait dit. And I remember what the angel j'ai told me. J'ai couru là où il était. I went to where he was. C'est le saisi à la cheville. I catch him from. J'avais l'intention de le tirer. And I want to pull him. Mais j'ai pas pu le tirer. But I could not. Ma main s'est collée à sa cheville. My hand was like glued to his feet. Alors pendant qu'il montait, while he was going up, nous sommes montés avec lui. And went up. Je n'arrivais pas à me détacher. I could not get to him. Parce que l'ange ne m'avait pas donné ce détail. Because the angel didn't give all details. Alors, and j'ai regardé où allons-nous. I looked at myself. Je vous dis juste à 100 mètres. I see like 100 meters away. J'ai dit 100 mètres. 100 meters away. J'ai vu un petit globe. I see a small globe. Et le petit globe s'est ouvert. And the big globe open. Et nous sommes entrés. And we entered. Avec mon adjoint. With my assistant. Quand nous sommes entrés. When we went. Nous sommes sortis dans un monde. And we came out in the world. Le petit globe s'est fermé. And the small globe was closed. Je me suis retrouvé seul dans un monde inconnu. And I found myself alone in an unknown world. Et quand nous sommes entrés. And when we entered. Cet ange est apparu. And this angel appeared. J'ai vu comment nous sommes entrés. And I saw how we get in. Mais j'ai pas vu comment l'ange lui est entré là-bas. And I didn't see how the angel entered there. Et il me dit. And he told me. Une réunion a été faite au ciel. This meet and there was a meeting in heaven. Nous t'avons choisi. And we choose you. Que wow. Tu découvres, mon Dieu. Oh, que tu découvres les réalités de ce monde. That you may discover the reality of this world. Comme ça, tu seras notre porte-parole. So that you will be our messenger on the earth. Il me dit, regarde. And he said, look. Quand nous sommes entrés, ma main s'est détachée de la cheville de mon adjoint. When we entered, my hand was departed from my assistant. Alors, and la première chose, the first thing,
J'ai vu mon adjoint. I see my assistant. Et d'autres personnes qui entraient comme nous. And some other people were entering like us. Les portes s'ouvraient et tout le monde entrait par là. And the door was open and everyone was entering. C'était des sorciers. And those are witches. Nous étions inaperçus. Oui. They could not see us. On ne nous voyait pas. They could not see us. Alors j'ai vu. And I saw. Il y avait deux sacs. There was two bags. Deux gros sacs. Two big bags. Tous sorciers qui entraient là. Every witch that you were entering. Et là c'était vers minuit juste. That was around midnight. Le premier geste de tout sorcier. The first one, it was the 12th witches. C'est prendre ses doigts. Take his fingers. Introduire dans les orbites et faire sortir le globe des yeux. And put in his eyes and take out the globe of the eye. Alors il fait sortir le globe des yeux. And he take the eye out. Tous les sorciers qui entraient là. Every witches that were entering. Yeux, they were taking the globe of their eyes. Ils le mettaient dans le premier sac. They were putting the first bag. J'ai vu un deuxième and sac. I saw the second bag. Plein de globes déjà. Full of globes already. L'autre sac était vide. And the other was empty. L'autre sac était plein de yeux. The other one was et full of eyes. Et les sorciers prenaient leurs yeux, ils mettaient dans le premier sac. And the witches were taking their eyes, et putting the first bag. Ils prenaient les yeux du deuxième sac. Ils le mettaient le globe dans leur orbite. They were taking the eyes from the second bags that were full, putting in their. Et l'ange apparaît, il me dit. And then the angel told. Quand tu rentreras sur la terre. When you go back on the earth. Dis à l'église du Seigneur. Tell to the church of the Lord. Le premier combat de l'église c'est celui-ci. The first battle of the church, this is the one. Que le faux pasteur. That the fake pastor that you have saw. Quand ils viennent ici. When they come here. S'ils respectent les principes et les ordres du monde de sorciers. If they respect the principles, the orders from the kingdom of darkness. Le premier cadeau qu'on leur donne, c'est qu'ils rentrent sous la terre avec les yeux de sorciers. The first present that they get, they go on the earth with the eyes of witches. C'est ça le cadeau qu'on leur donne. That's the first present that they give. Quand ils viendront sur la terre. When they will go on the earth. Étant dans les églises. As in the church. Ce sont les personnes que nous appelons les prophètes. Those are the people as we call them prophets. Alors que ce ne sont pas des prophètes. They are not even prophets. Ils sont en train de voir avec les yeux de sorciers. They are seeing with the witches. Et je voudrais dire au monde entier. And I want to tell the world. Les gens aiment qu'on leur dise leur futur. People they like to hear about their future. Laisse-moi ouvrir les yeux de l'église. Let me open the eyes of the church and the church of the entire world. L'église du Seigneur grandissant. The church of God that growing. Je réponds, l'église du Seigneur grandissant. I repeat, the church of God that growing. Alléluia. Amen. Nous devons grandir. We have to grow. Imaginez-vous, vous êtes en route, vous rencontrez quelqu'un. Imagine you are on the way, you meet somebody. Il vous dit, vous vous appelez Orphée. Your name is Orphée. Ton père s'appelle Aaron. Your father is Aaron. Ta mère s'appelle Emily. Your mother is Emily. Aujourd'hui, quand tu iras chez vous. Today when you wanna go by your place. Emily va te servir la nourriture. Emily will serve you food. Il te dit c'est moi ici. And he told you this man. Ton père va payer pour toi les minervals. Le your father will pay you the school fees. Tu vas quand même pour ce prophète. Are you going to clap for that prophet? Why? Why? Never. Because it's their duty to do so. C'est le devoir de mon père. C'est le devoir. Dieu dit. God said. Je serai pour vous un père. I will be for you a father. Vous serez pour moi des fils et des filles. You will be for me a son and daughter. Pourquoi say the Lord Almighty. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise sur le mariage? What do you want them to tell you about? Parce que ton père a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Because your father said that is not good for you. He will make a resemble. Celui qui combat ton mariage. The one who fights your marriage. Il va s'en faire avec celui qui a créé le mariage. The one who created the marriage. Celui qui va toucher ta vie. The one who touch your life. Il va s'en faire à celui qui a dit ne touchez pas à mes wife. He will face the one who said that don't touch my anointed. Celui qui va te faire la guerre. The one who fight you. Il va s'en prendre à celui qui a dit. He will face the one who said. C'est lui qui veut te tuer par la sorcellerie. They want to kill you through witchcraft. Ce sont les sorciers.
tuer, which will kill him. Pourquoi on ne peut pas grandir? Why you cannot grow? Pourquoi tu veux qu'on te dise quelque chose qui a été prévu pour toi? Why you want them to tell you things that you already prepared for you? Avant d'évoluer, laisse-moi te dire. Before we carry on, let me tell you. La destinée est têtue. Destiny is very stubborn. Oh, est-ce que tu peux écrire dans ton cahier? Oh, can you say? Destinée est têtue. In the first page of your notebook, à la première page de ta Bible, from the first page of your Bible, écrivez à la première page, la destinée est têtue. Say in the, just write it in your first page of your notebook, your Bible, that destiny is stable. Ask me why, shepherd. Ask me why, shepherd. Why? So you took the man. Your Bible that this is very stable. Because God says, ainsi à l'étude de ma parole, say on my word, qui sort de ma bouche, that come out from my mouth, ne rentre pas à moi, cannot come back to me. Pourquoi ça ne rentre pas? Why cannot come back? Parce que quand il a proclamé, because when he proclaimed, ça c'est pour toi. He said, this is for you. Ça n'est plus pour moi. It's not for me. For me. Il dit que la lumière soit. He said, let the light be. Et la lumière fut. The man said, they will light. Si Dieu a dit, if God said, through my wound that you are healed, c'est déjà sorti. It already came out. Ça ne rentrera pas. Cannot be retained. Quand la maladie viendra, when sickness will come, elle va rencontrer cette parole. Will meet that word. Quand la mort viendra, when death will come, la parole de Dieu est sortie. Ça c'est Esaïe 57. When the word was said, the word will come. Isaiah 55. The word that comes from above, elle ne rentre pas. Cannot be retained. Laisse-moi te dire ce soir. Let me tell you tonight. Quand Dieu a dit, if God says, c'est lui qui t'a dit. Maintenant avec tout ça, with all this, pourquoi les églises sont corrompues par les why the church are so corrupt with all this man? Je n'ai pas besoin d'une prophétie. I don't need a prophecy. Mais je peux recevoir la prophétie. But I can receive prophecy. Parce que les dons de prophétie existent. Because prophetic gift exists. Alléluia. Amen. Mais but si tu me dis, if you said to me, que je serai riche, that I'll be rich, tu n'as pas prophétisé. You didn't prophesy. Tu m'as informé. You just informed me. You just informed me. Demande-moi pourquoi. Ask me why, shepherd. Parce que tu as dit, because you say, la destinée est têtue. It's stable. Parce que tout ce qu'on a écrit dans la Bible, because everything they write in the Bible, c'est un testament. Oh. This is just a testament. On a écrit pour toi. It's written comme for you. Dieu qui a dit, as God who says so, vouloir ou pas, like it or not, tu vas le devenir. Ah. You because if you discover, personne ne peut fermer. No one, if you open, no one can close. Ce soir, quand on va prier, tonight when we're gonna pray, nous allons dire aux sorciers, we're gonna say to the witches, sois sorcier, you witch, je te présente le testament. Amen. I present you testament. Une parcelle qu'un père qui est mort a laissé, because there's a father that died and who left this. Une parcelle, une maison, a house. Quel père a laissé? That the father left. S'il est mort, il a laissé le testament. If he died, he left the testament. Tu as le droit de prendre un avocat. You have to take, you can, you have the right ton to take père, mon père a aussi écrit un testament. My father has already written a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. The New Testament and the Old. Jésus est mort à la croix. And Jesus died on the cross. Pour valider le testament. To validate the testament. Tout celui qui va toucher à ta vie. Whoever gonna touch your life. Tu vas appeler. You're going to call un avocat. Un avocat. Alléluia. A lawyer. Et il y a un avocat qui plaide. Qui plaide auprès du père pour nous. The one who pleads on behalf of us to the Father. Ce soir, on va se plaindre. And tonight you're going to plead. Alléluia. On va se plaindre. We're going to plead. Je ferme la parenthèse. I close my bracket. C'était une grande parenthèse. Wow. It was a big tout un enseignement. This is a big. Nous acclamons le roi des rois. Merci beaucoup.
Thank you very much. Nous serons bénis ce soir. Amen. Mon ami, bless tonight. We are already blessed. Amen. Nous sommes bénis ce soir. Amen. We are blessed tonight. Alléluia. Amen. L'ange me dit, the angel told me, dis à l'église, say to the church, le premier combat de l'église, the first part of the church, ce sont des prophètes. Those are the prophets. Qui ne viennent pas de Dieu. That are not coming from God. Mais qui voient avec les yeux des sorciers. But are seeing with the eyes of wisdom. Qu'est-ce qu'ils vont faire? What are they gonna do? Dis à l'église, say to the church, sur 10 prophéties, 10 prophéties, among 10 prophéties, 9 prophéties seront vraies. Qu'est-ce qu'ils voient? True, because they see. Ils vont vous habituer. They're going to attract you. C'est-à-dire tu t'appelles en fait. They're going to get you used. Est-ce que je mens? Non. No. Yes, papa. Yes, papa. I'm lying. Yes, yes. Papa. Ta mère s'appelle Emily. Your mother is Emily. Qu'est-ce que je mens? Yes, papa. I'm lying. Yes, papa. Alléluia. On va vous habituer. Bonjour, mes frères et sœurs. Vous êtes venus de moi pour ce soir. Next time, deuxième prophétie. Second prophecy. Tu as fait la comptabilité à l'université. You have done, yes, you have done accounts in university. Yes, daddy. Prochainement. Next time. Il va te dire. He will tell you. Tu y étais quelque part. You have been somewhere. Yes, papa. Yes, daddy. Alléluia. Les gens sont devenus comme des enfants. People become like child. I pray and after. 9 prophéties t'habituent. 9 prophéties you get used. 10 prophéties. There's 10 one. La fiancée que tu as. The fiancé that you have in. Il t'a déjà habitué. You already, he get used. Il met déjà habitué. He make you used to that. Et 10 prophéties. And the 10th. La fiancée que tu as. The fiancé that you have in. N'est pas la femme de ta vie. It's not the woman of your wife. L'objectif. The objective or the purpose. C'est que. That. Lui maintenant dirige ta vie. He now he may lead your life. Les sorciers sont organisés. The witch are well organized. Ce sont les sorciers du 21e siècle. Those are the witch of 25th century. Quelqu'un a compris? Ben. 25th century. Ce n'est pas la femme de ta vie. This is not the woman of your life. Et lui-même va te proposer parce qu'il a les yeux des sorciers. And he gonna propose you because he has witch eyes. Il t'a choisi une sorcière. He look at in the church, he choose you a la witch. La femme de ta vie. This is the woman of your life. Secoue la tête. Et secoue la tête. Je vais me montrer son nom. God, je vais me montrer son nom. God, what you share to God show me the name. Dieu m'a dit. When they will say God says me, God says me. Dieu vous dit, il s'adresse à qui? When they say God, I will tell you tonight to whom they are addressing. Et on te donne maintenant une femme sorcière. And now they give you a witch woman. Le long de mon témoignage, je vous donnerai les conséquences. Along my testimony, I will give you consequence of the witch woman. Vous allez vous tenir à la tête. Mais continuez d'abord le témoignage. You're going to scratch your head. Alors? Hein? Le premier combat de l'église. The first part of the church. C'est la prophétie. This is prophecy. Des faux prophètes. Of false prophets. Et après ça? And after that. Les sorciers vont commencer à diriger l'église. The witch gonna start to lead the church. Comme on est assis comme ça, il y a quelqu'un qui va dire, bon, moi j'ai le don de prophétie, il t'appelle ma soeur. Dieu m'a parlé de toi. On me dit que tu t'appelles Judith. Il y a 35 ans. Dieu me dit que ton mari s'appelle tel. You are 30 years old. Your man, your his name is this and that. Call me. Et avec cette précision, là, tu vas le faire. Precision, you et ils vont commencer à diriger les églises. And they to lead the churches. Et attention. And I said, be careful. Je ne marche pas le mot. I don't know. Je suis en train de témoigner. I'm just telling and testifying. La confusion va entrer dans l'église parce que ce sont les sorciers qui disent aux autres qu'ils sont sorciers pour détourner votre attention. Confession. Le vrai sorcier, il envoie vos attentions vers le faux sorcier. C'est pourquoi moi, les prophéties de dire tel est sorcier, je suis froid vis-à-vis de ça. Confusion will enter the church. You notice that there will be confusion because the witches are bringing confusion. All this prophecy, that one is a witch, this one, with all this kind of prophecy. Me, I'm very careful when it comes about this one is a witch. Si vous suspectez quelqu'un à l'église, faites la sainte scène. If you suspect somebody, go to the Holy Communion. Si un sorcier mange la sainte scène. If a witch eat the Holy Communion. Moi, on m'a montré comment faire la sainte scène. And as long as they taught me how to do the Holy Communion. Il ne va pas survivre.
He's not gonna survive. S'il mange la Sainte Cène, if he eat the Holy Communion, il y a deux possibilités. There's two possibilities. Parce que le pain là c'est le corps de Christ. Because the bread is the body of Christ. Le vin là c'est le sang de Christ. The wine is the blood of Jesus. La sorcellerie est une alliance. Witchcraft is covenant. Tu vois la Sainte Cène présentée par le berger Moïse, tu entres dans une alliance avec Jésus qui a dit la première, la sorcellerie finit. If you eat the Holy Communion that way, prepared by the shepherd Moses. As you eat, your witchcraft will depart. Mais si tu avances avec deux alliances, tu meurs. Deux possibilités. If you eat with one covenant with the man of God, you're gonna survive. But if you eat that with your witchcraft covenant, you're gonna die. Dans ta maison, tu n'es pas sûr de l'état d'âme de ce que tu as dans ta maison. C'est très simple. Prends seulement l'huile d'onction, l'huile d'olive, à l'absence de tout le monde. Mélange avec l'huile de la cuisine. Grille les poissons avec ça. Serre à tout le monde. Si le sorcier mange, il est écrit l'onction brise hein, les jours. Il a mangé ton onction. Ça va briser son jour. Sans ta maison. Someone enter to your house, you don't know his spiritual state. What can you do? Just take the anointing oil. Fry fish, whatever, eat. Give that food to eat. After eat that, because of the covenant that you have, let me tell you the way you will meet your God. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais à la fin du témoignage, aujourd'hui, in the end of the testimony tonight, une seule chose que je vais montrer, one thing that I'm going to show, comment tuer un sorcier, how to kill a witch, s'il est dans ta maison, if he's in your house. Quand on était à l'école primaire, il y avait une récitation, on disait, il y a des garçons qui ont vu un crapaud, ils disaient, viens voir un crapaud tout noir, et cherchons un bâton, nous allons les tuer, ça va nous amuser. School, we used to have this discussion that said that you are sold to frogs and when you take the stick, kill one. And I remember, but je vais montrer comment tuer les sorciers. How to kill the witch? Parce que moi j'avais déjà tué. Because me already killed. Il y a aussi certains suicides. Hein? Tu tues quelqu'un mais on t'arrête pas. There's some suicide that you kill somebody and they don't arrest you. Je vais vous montrer ça. I will show you ce soir. Tonight. Nous allons les tuer. We're going to kill. Ça va nous amuser. And it's just going to make us a bit fun. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Alors, then, j'ai vu le sorcier qui entrait. I saw a witch coming in. La première chose. The first thing. Il change les yeux. He changed the eyes. La deuxième chose. The second thing. J'ai vu, ils étaient très mal habillés. I saw they were wearing very ugly. Le monde des sorciers, curieusement, assez à quoi moi je m'attendais, c'était très beau. Me, I thought that I was expecting that the kingdom of witches is so beautiful. J'ai vu des femmes avec des cheveux jusqu'au dos. I saw the hair up to the women. Women with hair up to the back. Avec des hauts talons. With their high heels. Mais elles étaient très mal habillées avec des hauts talons. But they were wearing very ugly. Et je vois dans nos écoles des pays développés, on est aux élèves de porter des coups de chien. They are asking, especially in the developed country, they ask them to short skirts. And tonight you're gonna understand why. The feet grow glass. People are very fat, but they're wearing short skirts. Mais des coups de chien. You ask yourself why they're wearing short skirts. And the angel asked me to appear to me and Lord a été donné à tous les sorciers. The order was given to all witches. De faire la recherche de toutes les couturières. To make all les modélistes. To make research for les couturiers in the tailor those are sewing clothes. Alors si vous êtes couturier, couturière, sache que les sorciers vous cherchent. If you are a fashion designer, you must know that the witches are looking for you. L'objectif c'est que the purpose is tous les couturiers, toutes les couturières deviennent des sorciers. Comme ça, quand ils vont aller dans le monde des sorciers, qu'ils apprennent comment faire la mode sexy. So that the purpose is all the fashion design to become witches. So when they will go on their field skills, so that they may make this kind of clothes that can seduce. L'ange me dit au monde sorcier. And the angel said to the l'habillement sexy que vous voyez. This sexy clothes that you call it. De l'Orient et de l'Occident. It doesn't come from the north or south. Ça vient d'ici. It's coming from the kingdom of darkness, from here. Le monde des sorciers. In the kingdom of darkness. J'étais vraiment surpris. And I was surprised. Et troisième moment. And the third. À part les yeux. Beside the sorcier. Of the witch. L'habillement sexy. This sexy wedding. J'ai vu. And I saw. Les hommes et les femmes. The men and women. On parle en grand. Ils se prenaient maintenant. They are taking each other.
Vous avez compris? You understand? Et l'ange me dit, and the angel told me, quand tu entreras sur la terre, when you gonna go on the earth, dis au monde entier, tell to the earth, là où il y a un sorcier, where there's a witch, parmi les signes, among the signs, c'est la sexualité déréglée. It's c'est-à-dire, on ne choisit pas les partenaires. They don't choose immorality. It's just like animals. They don't choose. On prend. Everyone, man or woman. Une belle sœur, on prend. They are taking his sister-in-law. Une tante, on prend. An auntie, they are taking. Sa propre petite sœur, on prend. Your own sister, they take. Alléluia. Amen. C'est un signe de sorcier. This is a sign of witchcraft. Pour bien comprendre, je vais illustrer. To understand it, avec la deuxième partie, I'm going to illustrate it for the second part of our. Quand j'ai découvert ces trois choses, when I discover all these three things, les yeux sorciers, c'est facile à retenir. The witch of the eyes of a witch is la climat sexy, the sexy dressing, et troisièmement, and thirdly, la sexualité, and sexual la immorality. Séduction, seduction. Et si vous voyez dans une famille, and if you see the family, toutes les filles se sont déchaînées. All the women are starting to participate in sexual immorality. Dites-vous parmi elles, tell yourself that among them, soit elles sont sorcières, whether they are witch, soit il y a un sorcier là, or there's a witch in. Je vais expliquer ça le long du temps. I'm going to explain alone. Bien aimé, beloved, j'ai vu mon adjoint, I see my assistant pastor, faire ça, doing this. Je me suis rappelé. I remember. Quand vous étiez sur la terre, when we were on the earth, il a fait ça. He used to do this. Il est monté. And s'il a fait ça, c'est qu'il veut monter. If he do this, je regarde, je vois en haut. And I look at, I see à sa above 100 meters, une deuxième planète, another second planet. Et il est monté. And he went up. L'ange venait m'atteindre là. The angel held my hand. Nous sommes montés. We went up. Et la planète là s'est ouverte. And that window was open. Nous sommes entrés dans une deuxième planète. We entered the second planet. Il me pose la question. And he asked me a question. J'ai déjà entendu parler du deuxième monde. Have you heard speaking about the second world? J'ai dit oui. I said yes. Il dit c'est ça le deuxième monde. And he said this is the second world. Et la planète s'est fermée. And the planet closed. J'étais doublement perdu dans le monde. And I was doubly lost. Deuxième moment, second world. Il me dit le premier monde. He said the first world. Les objectifs, ce sont les trois objectifs que j'ai expliqués. The purpose is three purposes that I explained to you. L'objectif du deuxième moment. The purpose of the second world. Viens voir. Come and see. Il m'a amené. He took me. Je suivais mon adjoint. I was following my assistant. Le deuxième moment, c'est le monde du manger et du boire. The second world is the world of eating and drinking. Là-bas, on donne la nourriture gratuitement. There they are giving freely food. On donne les breuvages gratuitement. They are giving drink free. Alors, il y avait un restaurant. There was a restaurant. Mon adjoint est entré. My assistant entered. Il y avait des serviteurs. There was servant. There was servant. Et on lui a servi une viande fraîche. And they served a fresh meal. Il mangeait. While he was eating the meat, et après on lui a donné des liqueurs. And after that they give him liquor. Et il buvait. And he was drinking. Moi j'étais à la fenêtre en train de regarder. And me, I was just looking. Un moment l'ange disparaissait. There's a time that the angel was disappearing. Et un autre moment il apparaissait. And there's a time that he was appearing. Et après ça. And after that. Je dis vous êtes venu à temps. Today you came early. Je suis très content de vous. I'm so happy about you. Acclamez d'abord pour vous-même. Clap for yourself. Acclamez pour vous-même. Clap for yourself. We're going to have more time today. On va terminer vos malheurs. We're going to finish on time. Ma famille, my family, je vous assure. I'm assured. Mon adjoint mangeait, je l'ai regardé. My assistant was eating the fresh meat. I was looking at him. He was drinking liquor. L'ange apparaît. And the angel reappeared. Quand tu rentreras sur la terre, and he said, when you go back on the earth, dis au monde entier, tell the world, world, tout sorcier. Every witch est déjà arrivé au deuxième moment. The one who reached the second world. Pourquoi Satan leur donne la nourriture? Why the devil giving them food? C'est pour changer leur cœur. It's to change their hearts. Celui qui a déjà mangé la nourriture du deuxième monde, whoever eat the food from the second world, son cœur change de position. His heart changed the position. Il regarde à l'envers. He look at upside down. Comme ça, la vision change. And at that time, now the vision changed. La vision change. He said that the vision changed. Tu regardes ton père. You look at your father. Tu vois un book. You look, you see a book. Tu regardes ta fille. You see a goat. You look at your daughter. Tu vois l'agneau. You see a lamb. Tu vois ton père.
You look at your father. Tu vois une vache. You see a cow. Comme ça que les humains auront un mauvais cœur. And therefore the human will have a bad heart. Ils seront sans pitié. There will be no pity. Alors, il mettait tout sur ce qui est déjà entré dans ce monde. He said that every witch that already entered this world. Vous remarquez quelqu'un est sorcier. You notice that if somebody is witch. Ne pose jamais la question. Don't ask even a question. Est-ce que tu es sorcier? Are you a witch? Sinon, otherwise, il va te dire oui, je suis sorcier. He will tell you yes, I'm a witch. C'est vrai. He said, qu'est-ce que tu as fait? It's true. C'est vrai. J'ai donné la sorcellerie à tel. C'est moi qui ai fait l'enchantement. C'est moi qui ai fait l'enchantement. Si j'appelle tout le monde, tu vas dire les mêmes paroles. If I ask everyone, you're gonna say the same way. Oui, je vais dire les mêmes paroles. I say, yes, I will say so. On appelle tout le monde. And they call everybody. On appelle les petits sorciers. We call the small or the witch, the small girl. Witch. Avec assurance, tu lui dis, ok, tu peux répondre tout ce que tu m'as dit. And with all assurance, they ask, can you repeat whatever you say? Il va te poser la question. He will ask you, j'avais dit quoi? What did you say? C'est ce que tu viens de me dire. Et il dit, ah, what you told me now, just few minutes. Qu'est-ce que j'avais dit? What did you say? Mais tu m'as dit que tu étais sorcier, non? But you said that you're a witch, non? Est-ce que moi je suis sorcier? I'm a witch, who told you that I'm a witch? Le cœur est renversé. The heart, it can la première chose. Be reversed. The first thing, tu touches son cœur. You touch his heart. Tu dis, oh Dieu. We say, oh Lord. Je récupère. I take back. Et je remets à la normale. And I bring back to normal le cœur de cet enfant, the heart of the child. Amen. C'est automatique. Automatique. La conscience va revenir. The conscience will come. Alors quand ils boivent, ils mangent, ils perdent le cœur. When they are eating, drinking, they lost already ils the heart. Ils perdent la pitié. They miss pity. They lack pity. Et qu'est-ce qu'ils font? What they doing? Ils ont des seringues. They have des piqûres. Injection. C'est quoi? Seringue. 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 Yes. Ok. Ils ont des seringues. They have seringues. Ils aspirent la boisson qu'on leur donne. And they are pulling the drink that they are giving to them. Et tout sorcier a reçu l'ordre. And each and every witch have received the ordre. Quand il va rentrer sur la terre. When he's gonna go back on the earth. Il se transforme en tant que créateur. He transforms himself into cockroach. Et il va faire sortir une fumée. And he's going to release a smoke. Et il circule dans toutes les pièces de la maison. He's going to go every area of il the va house. Endormir tout le monde. He's going to make everyone sleep. Et après, and after that, il prend sa forme. And he will take his own form. Il prend la seringue. He took the syringe. Il a reçu l'ordre d'injecter tout le monde. He received the order to inject everyone. Tu ne vas pas sentir ça. You're not gonna feel it. On dit l'homme a pour ennemi les gens de sa propre. The Bible says that the man is the enemy. Ils vont commencer à injecter tout le monde. He's gonna start to inject. Quand vous vous réveillez le matin, when you wake up in the morning, vous êtes ivre. You become drunk. Quand vous vous réveillez le matin, when you wake up in the morning, vous avez un désir sexuel. You have a sexual immoral desire. Quand vous vous réveillez le matin, when you wake up in the morning, vous perdez la tête. You losing mind. Il y a certaines personnes. There are some people qu'on a tellement injecté trop par les sorciers. They are already injected much from the witches. Elles vont toujours faire de mauvais choix. Then they will always make a bad choice. Un bel homme qui lui propose, elle dit non. Et vous, as some men, good men that propose, il dit. Un homme bien coiffé, bien parfumé, bien instruit. Et il travaille là. Well educated, well educated, nice. Elle dit non, c'est pas vous de choisir. Good salary, c'est non. Choose for me a man. The globe des yeux comme une libellule. He opened his eyes like a cow Andrex. I don't know. Alléluia. Amen. Et les gens qui vont faire sortir le mari. And the day that they will bring the man. Un drogué. A somebody that is a drunkard. Il porte le pantalon. You will bring a man là. That is a drunkard that is wearing a pen that is torn apart. Il dit ici, Dieu n'a pas bien placé la bouche, lui place la bouche ici. And you're gonna put the mouth, yeah, God didn't put the mouth where it's supposed to be. You're gonna put the mouth aside. C'est ça son choix. This is his choice. Souvent, ce sont les sorciers qui font ça.
Most of time, those are the witch abilities. Pour conduire les humains aux actes incontrôlés. To bring human to uncontrolled acts. Si vous remarquez quelqu'un qui était bien. If you notice that somebody was very good. Mais qui change du coup. But you change suddenly. Qui se perd du coup. He suddenly changed and he lost. On lui a fait quelque chose. They have done something to him. Et quand on m'a expliqué tout ça. When they explained to me all this. J'ai vu mon adjoint faire ça. And I saw my assistant. Au juste, il y a combien de décollages. And au juste, il y a combien de décollages. Normally, how many departures that you have? Je regarde comme ça. I look at. Je vois un troisième globe. And I saw the third. Donc, global. Il existe trois mondes de sorciers. And there's three worlds of witches. Nous on pensait qu'il n'y en avait que deux, comme on dit, deuxième monde, il y en a as trois. We thought there was only two, because you always say second world, but I realized it was two, there was three. Alléluia. Amen. Alors, le troisième monde s'ouvre. The third was open. J'ai vu mon adjoint. I saw my assistant now there. Quand il est entré. When he entered. L'ange est apparu. The angel appeared. Il m'a pas tenu à la main. He didn't hold me my hand. Et il me regardait. And he looked at me. Et le monde là s'est fermé. And that world was closed. Mais dis-toi, tu peux pas aller là-bas. He told me, you cannot go there. Un non-sorcier, s'il part là-bas, il va paniquer toute sa vie. A nun which if he entered there, he will panic all his life. Toute ta vie, tu seras traumatisé. All your life, you'll be traumatized. Lui est parti, mais moi, je vais tout expliquer. He went, but I will explain to you everything. Et il a commencé à m'expliquer. And he started to explain to me. Il dit le troisième monde. He said the third world. C'est là où il y a le dieu de sorciers. This is where there's a god of witches. Le faux pasteur qui dit, le faux prophète qui dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. The first prophet that said God have said to me, God said. Dieu c'est l'air chef du troisième monde. Vous, ça va vous aider. That god which is there, the god of. Vous les connaissez. World. You know. Vous les connaissez. You know them. Le. You know him. Yes. Yes. Alléluia. Amen. Alors il me dit. And he said to me. Tu diras ceci au monde. You say this to the world. Le troisième monde des sorciers. The third world of witches. L'air Dieu. Their God, avant que je cite son nom, before I mention his name, je vous informe, I'm informing you. Il y a un nom qui a été élevé au-dessus de tous les noms. There's a name that is lifted above every name. Le nom devant lequel tout genou fléchit. The name in which every knee bow. Au ciel, in heaven, sur la terre, on earth, sous la terre, under the earth, sous la mer, j'adore Jésus. I worship Jesus. On a élevé le nom de Jésus. We lift up the name of Jesus. Tout nom que je vais citer, ce sont des noms inférieurs. Every name that I mentioned, they are just inferior before le Jesus. Le troisième monde. The third world. L'air Dieu. Their God. Le Dieu de sorciers. The God of witches. Il s'appelle Ahriman. His name is Ahriman. Alors j'ouvre une parenthèse. And I open a bracket. Une parenthèse. A bracket. Une nuit, j'ai dormi. One night I was sleeping. Tout ce temps j'étais toujours, je dormais à l'église. All this time I was sleeping in the church. Quelqu'un me réveille, je regarde. Somebody wake me up, I look. L'ange Michael. The angel Michael. Il me dit. And he told me. Tu te rappelles quand on était parti dans le monde des sorciers? You remember when we went in witchcraft war? Je vais te faire voir les dieux. I'm going sorcier. To show you the god of witches. C'est vrai ça? I say, it's true. Mais tu viens, on va voir. He told me, come, we're gonna see. Pour ceux qui connaissent Kinshasa. For those who know Kinshasa. Il y a un quartier qu'on appelle Bon Marché. There's an area called Bon Marché. Not this Bon Marché, not this Bon Marché, je sais pas. Bon Marché. Yes, Bon. La nuit. At night. On m'amène au Bon Marché. They bring me Bon Marché, that area in Kinshasa. Et il y avait des bars. And then there was a bar. Il me dit, comme la musique se joue là, moi je ne peux pas t'accompagner. Va et entre. As music playing there, I'm not going to accompany you. Go and enter. Boîte de nuit. That is a nightclub. Il dit, personne ne te verra. Entre, il m'explique. Nobody will see you. Enter, he explained to me the plan. Tu vas voir un couloir. You will see the corridor at the corner. Regarde qui tu verras au coin là. Look at who you're gonna see at that corner. Je vais t'expliquer. And come back, I'll explain to you. J'entre. I went, he's explained. People were drinking. Je vais vers le coin. When I went around the corner, je vois un démon. And I saw a demon. Presque comme une grenouille, mais avec les jambes. A form of frogs, but with his feet. Donc, he was bent. De l'ombre.
With long, facilement à toucher le sol. Long hands, he can touch easily. Il était habillé à rouge noir. He was wearing red black. Et c'est tout. And that's all. Je suis sorti. I came out. Tu as vu? He asked me, did you see? Il était comment? He asked me, describe how he was. Je viens de vous décrire. I described as I did. Il me dit. And he told me. Rappelle-toi. Remember. Dans le premier monde. In the first world. Qu'est-ce que les sorciers faisaient? What the witch were doing? Ils changeaient les yeux. They were changing their eyes. Ils étaient habillés sexy. They were wearing sexy. Et ils faisaient la sexualité. And they were in sexual immoral. C'est l'ordre de leur Dieu. This is the order from their God. Les démons de la sexualité. The witchcraft, sexually le maître de tous les sorciers, c'est Ahriman. The master of all witches, Ahriman. Il a habillé en rouge noir. He was wearing red black. Parce que dans des boîtes de nuit, because in the night clubs, on éteint toutes les lumières pour avoir la couleur noire. We, they always switch off the light to have black light. Et on met la lampe rouge. And they put a red light. Donc dans des boîtes de nuit, ce sont les démons du troisième monde qui descendent sur la terre. In the night club, these are the third demons. Those are the demon witch of the third world that are entering the church. Certains religieux ont créé une histoire Saint-Valentin. Attention, Saint-Valentin, rouge noir, yeah. C'est la tenue de Ahriman, yeah. Le chef de tous les sorciers. Like et le jour où tu vas t'habiller en rouge noir, jour des amours, c'est le mois de février, le 14 ans. Le 14 février. Le jour où on aura le projecteur. Pourquoi ils ont choisi la date du 14? Vous allez vous tenir à la tête. In the kingdom of darkness, they bring us this Valentine's Day where people are reading, they are wearing black and red. Pourquoi ils ont choisi le mois de février? To you, why they only choose the month of February? Ça s'entend bien en anglais. Février en anglais c'est quoi? February. Pardon? February. February. Yes. February vient d'une demande du nom de février. February, le mois de février. Février, c'est une demande femelle qui traverse la sexualité. Demon. Quand vous êtes en contact avec elle, vous avez un esprit de célibat. Quand vous êtes en contact avec elle, si vous êtes homme, votre femme va mourir. Si vous êtes femme, votre mari va mourir. C'est le démon de veuvage. Et si vous portez le Saint-Valentin, vous êtes en train de dire que ma conjointe mère, ou bien que mon conjoint mère. Wow. February is a female demon that if you are wearing, you are carrying that identity. If you have a wife, that your wife can die because of that demon. He's working just in that particular month. And the color that they give you, red and black, you must know that. Et il me dit. And he told me. La nuit quand vous dormez, dites au monde entier. At night when you sleep, tell the world. Ici, le courant, ça coûte cher parce que nous avons des cartes. Quand vous éteignez toutes les lampes de la maison, laissez même là-bas jour. And he said that tell the whole world, here electricity is very expensive, you can switch off all the light, but the small one, you can let it to be lighted the whole night. Parce qu'il n'aime pas la lumière. Because he don't like lights. Même la lumière artificielle, il fouille. You know, even artificial light, he can run away. Dis au monde entier, le quartier réputé en sorcellerie, il n'y a jamais eu de courant là-bas. Wow. There will be no electricity, there was no, and there will be no electricity in that kingdom. Le gouvernement va envoyer peut-être un député, on achète des câbles. Trois jours après, on va voler même les câbles. On met les policiers. Mais quand ils vont voler, vous ne vous rendez même pas compte. Deputies, they can buy, they can install electricity, but when the witch, they will organize the stealing of the land, you're not even going to know when they were breaking the station, power station. C'est lui le chef des sorciers. This is the master of the witches. Dans le troisième monde, in the third world, quand quelqu'un, when somebody, il arrive comme un sorcier, he become there as a witch, on lui pose la question, they ask him, où sont les matériels? Where are material? Matériel c'est quoi? What is the material? Ce sont les cheveux des non-sorciers. Those are the hair for the witches. Non-sorciers. Or non-witches. Ils vont prendre vos cheveux. They will take your hair. Ils vont prendre vos ongles. They will take your nails. Ils vont prendre soit un morceau de votre habit ou bien une. They might take the edge of your clothes. Et là dans le troisième monde. And that third world. Dès qu'un sorcier amène là-bas. Every time when the witch bring the material there, tous les sorciers vont encercler ça. All the witch will surrender. Ils vont faire une invocation. They will do incantation.
le propriétaire de ce matériel va sortir là. And the owner of that material will appear in that. Alors vous devenez double. And you become double. Ils ont des clous comme des stylos. They have the clous. They have nails like pens. Et il y a des poteaux comme ça. And there's posts like this. Si vous apparaissez, ils vous lient sur le poteau. And if you appear there, they bind you the post. Juste avec vos cheveux. Just with your hair. Même s'il y a un cheveu qui est sur le peigne, il prend. If there's a hair even under the comb, and they take it. Attention. The clothes. Ne changez pas des habits avec certaines personnes. Don't exchange clothes with some other people. Je ferme la parenthèse. I close the bracket. Amen. Amen. Alors, ils vous lient. They will bind you. Quand ils vont lier, when they will bind, ils ont des clous comme des stylos, ils vont percer sur votre tête. They have nails like pen, they will put it in your head. Et là, je me dis, c'est ça les fous que vous voyez se promener. Ce ne sont pas des fous, ce sont des personnes qu'on a percées sur la tête. The angel tell me, those are the mad people that you see. They are not mad, those are the people that they put nails on their head. Et la deuxième catégorie, the second category, quand vous apparaissez là-bas, when you appear there, on va choisir un sorcier. They will choose a witch. Dans leur monde, au choix. In their kingdom, by choice. Voici ta femme. This is your wife. Et on vous donne une femme. And they give you a wife. Dans le monde de sorciers. In the kingdom of witch. Alléluia. Amen. Voilà. Faute de temps. Lack of time. Le dimanche prochain. Next Sunday. Je vais vous expliquer comment on est rentré. I'm going to explain to you how do we came back on the earth. Amen. 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 Comment on est rentré sur la terre. How do we came back on the earth. Invitez beaucoup de gens. Invite many people. Qu'est-ce qu'on va faire le dimanche prochain? What we gonna do next Sunday? Dès que je vais expliquer comment nous sommes rentrés sur la terre. As soon I'm going to explain how do we came here on earth. Dimanche prochain, next Sunday, Dieu, by the help of God, je vais vous expliquer comment je suis mort. How did I die? Moi, votre bien-aimé, votre berger. I, your beloved, your shepherd. C'est une longue histoire. It's a C'est encore une autre histoire que nous allons découvrir dans la prochaine vidéo. Mes frères et sœurs, si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner et de ne pas manquer cette vidéo en question. Que Dieu bénisse mes frères et sœurs, prenez soin de vous et abonnez-vous également sur notre troisième chaîne. En cliquant sur Nyanx Reborn, vous allez voir la page d'accueil, vous allez voir Nyanx TV, Nyanx Reborn 2 et Nyanx Reborn 3 si vous n'êtes pas abonné. Abonnez-vous et ne manquez surtout pas les prochaines choses. Et dans la prochaine vidéo qui va apparaître après cette vidéo, nous vous parlerons de la musique et des choses encore bizarres que nous avons découvertes dans la musique tout à l'heure. Restez connectés.